le jour il faut tirer. Alloué la fallaloué, fallaloué, fallaloué. Alloué la fallaloué. Un jour que je flânais près de la digue de Petitfort Philippe, je suis tombé par hasard sur ce curieux panneau. Alors j'ai voulu en savoir plus sur la vie de ces marins qui, jusque dans les années 30, quittaient Gravelines à la fin de l'hiver pour aller pêcher dans les eaux glaciales d'Islande et qui ne revenaient qu'à la fin de l'été, quand ils revenaient. Qu'allaient-ils donc chercher ces hommes de la mer, si loin de chez eux? Au large de cette île, où en hiver le soleil dépasse à peine la ligne d'horizon, mais où la nuit ne dure que 3 heures au solstice d'été. L'Islande, une île de feu et de glace, où les fréquentes éruptions volcaniques viennent noircir de leurs cendres l'immensité immaculée des glaciers. Ces marins venaient pêcher la morue, que l'on appelle aussi le cabillaud. Ce poisson abondait dans les eaux froides de l'hémisphère nord, plus particulièrement au sud de cette île, pendant la période de la fraie. Durant de nombreuses années, la vie d'un grand nombre de familles gravelinoises fut rythmée par les événements liés à ce que l'on appelle encore ici la pêche à Islande. Le grand départ, les 6 mois d'absence, les rares nouvelles et enfin le retour tant attendu. Les préparatifs de la campagne de pêche débutaient dès le mois de janvier. Au mois de janvier-février, on fait les préparatifs de la pêche. Alors on va d'abord réinstaller toutes les voiles qu'on a été stockées dans les maisons des armateurs ou qu'on a fait réparer chez le voilier. On va visiter tous les gréements, donc les marins vont monter dans les mâts et visiter les gréements, réparer ce qu'il y a à réparer et commencer à embarquer tout l'avitaillement nécessaire pour la campagne. Sur les quais, l'agitation augmentait de jour en jour. Un grand nombre d'attelages transportaient le matériel et les provisions à bord des navires. On chargeait dans la cale le charbon, des tonneaux appelés tonnes, qui contenaient le sel blanc importé du Portugal, destiné à conserver les morues. Mais dans ces tonnes, on embarquait aussi les vivres, des pommes de terre, des haricots, des oignons, des biscuits secs, du bœuf et du lard salé, de l'eau douce, du café, de la bière et de l'alcool. Beaucoup d'alcool. Les marins sont plus ou moins réquisitionnés pour faire le travail, ça dépend de l'accord qu'ils ont avec l'armateur. En général, on leur donne une pièce en plus pour faire ce travail. Et au mois de mars, les bateaux sont quasiment prêts. L'enrôlement a eu lieu. Alors l'enrôlement se passe de la façon suivante. L'armateur délègue au capitaine qu'il a choisi, délègue le choix des marins qu'il souhaite avoir à bord. Il est très rare qu'un armateur s'oppose au choix qu'a fait un capitaine. Ça arrive, mais c'est assez rare. Donc ce capitaine va, en fonction de son bon vouloir, de ce qu'il souhaite, recruter. En général, il va commencer par sa famille, puis les voisins et les amis. Donc on va se retrouver sur les bateaux avec des groupes qui viennent exactement du même endroit, que ce soit de Mardic, que ce soit de Petit Fort, que ce soit de Grand Fort, ou que ce soit de Zuidcote ou de Bredune. Vraiment, les Islandais naviguent en tribu. À bord des grandes goélettes et des dindées, il y avait de 18 à 20 hommes. L'équipage consiste en un capitaine, bien entendu, un capitaine qui est un maître de pêche. Alors, le maître de pêche n'a pas d'âge. On est maître de pêche à 25 à 50 ans si on continue à vouloir aller à Islande. Un second, et ensuite deux lieutenants. Alors, ces lieutenants ont un rôle quelquefois
d'organisation, mais pas très 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 important. Par contre, dans ce qu'on appelle les principaux de l'équipage, il y a les tonneliers et le saleur. Alors là, ce ne sont pas des marins qualifiés, ce sont des hommes de l'art, qui, le tonnelier, évidemment, est extrêmement important, car si ces tonnes, ces tonneaux dans lesquels on va mettre la morue, fuient, la pêche est perdue. Et le saleur, lui, pourrait être considéré comme l'un des hommes les plus importants du bord, car si sa quantité de sel et son traitement du poisson n'est pas parfait, lorsque l'on va ouvrir les tonnes rentrées à terre, on va découvrir qu'on a pêché pour rien. Donc le saleur est très 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 important. Après, des marins, bien sûr, alors cette fois-ci des marins pêcheurs, un novice et un mousse. Alors, on a dit beaucoup de choses sur les mousses, qu'on les embarquait très 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 tôt. Il y a une loi qui interdit d'embarquer les mousses avant 12 ans. Il arrivait qu'ils aillent à l'Islande à 12 ans. Mais aucun mousse n'embarquait sans qu'il y ait à bord ou un oncle ou un père. Donc il faut faire fi de toutes les légendes sur la maltraitance des mousses. Ils recevaient des taloches comme ils en recevaient à terre, mais ni plus ni moins. Le boulot, par contre, était particulièrement dur pour des enfants de cet âge. Avant le départ, les pêcheurs faisaient la fête à l'occasion du carnaval. Les origines de celui-ci remontent au début du XVIIe siècle. Quelques jours avant d'embarquer, les armateurs offraient une fête aux marins pêcheurs, le foyus. À cette époque, toutes les festivités se déroulaient dans une auberge. Puis, petit à petit, vers la fin du XVIIIe siècle, les hommes de la mer et leurs familles se déguisèrent et envahirent les rues de la ville. De cette fête naîtra la Vischerbande, la bande des pêcheurs en flamand. Elle se déroulait à l'origine au début du carême, entre le lundi gras et le mercredi des cendres, appelé aussi les Trois Joyeuses. Dès le début du XIXe siècle, ce carnaval s'affiche comme l'un des plus originaux de France. Quelques jours avant le départ, une messe était dite en l'honneur des Islandais. Ben avant de partir, oui, il y a une cérémonie religieuse, bien sûr. Ils pavoisaient les bateaux islandais, les goélettes, les dundés, dans le bassin. Et le prêtre de l'île, il venait faire une bénédiction. Ça durait, c'est un peu comme le 15 août maintenant, quoi. Ça durait toute une journée. Et tout le monde était content parce qu'il partait avec une bonne foi. Enfin, venait le jour du départ. Le jour du départ, ils sortaient à plusieurs bateaux, bien sûr. Ils sortaient du bassin. Quelquefois, ils sortaient tout seuls, mais quelquefois, il y avait un petit remorqueur qui les traînait. Et ils arrêtaient. Et les épouses, ils les suivaient du bassin jusqu'au bout de la jetée. Ils les suivaient avec les enfants.
Ils faisaient enlever la casquette à tout l'équipage. Ils disaient une prière. Ça durait 5 ou 10 minutes. Tout le monde se signait, criait signe de croix. Ils remettaient les casquettes et puis disaient maintenant, en route, on est parti. Voilà. Et les femmes, les épouses et les enfants, ils allaient au bout de la jetée faire le dernier signe à leur famille, quoi. En priant leur vierge qu'ils reviennent à bon port. Le voyage pour aller en Islande durait en fonction de la météo et de la route choisie entre 7 et 12 jours. Pendant ce temps, les marins prenaient leurs maps et préparaient leurs lignes. Deux types de bateaux ont marqué la pêche à Islande, la goélette et le dindé. Alors la goélette, il y a beaucoup à dire à son sujet. D'abord, qu'elle paraît à Islande très tôt, dans les années 1820. Elle n'est pas majoritaire, loin de là. Elle va évoluer et progressivement devenir ce qu'on appelle une goélette à hunier. Alors une goélette à hunier, contrairement aux autres goélettes, c'est assez simple. Les goélettes dites franches ont toutes leurs voiles dans l'axe du navire, tandis que la goélette à hunier a ses voiles dans l'axe du navire, plus sur le mât de devant, sur le grand mât, une voile transversale qu'on appelle un hunier, et qui va se généraliser et qui, à la grande époque de l'Islande, de 1860, va être totalement dominant. La goélette fait environ 25 mètres normalement, fait entre 20 et 25 mètres, pas beaucoup plus, ce ne sont pas des grands bateaux. Alors maintenant, le Dundee. Bien, le Dundee reste dans la mémoire collective parce que c'est le navire qui va terminer la pêche à Islande. En fait, les goélettes sont non pas difficiles à manœuvrer, mais elles nécessitent tout de même une certaine compétence, et en particulier pour le hunier. Le gréement de Dundee, lui, va s'appliquer sur des côtes, sur des coques qui ne sont pas très différentes des coques de goélettes, va s'appliquer, mais va être beaucoup plus simple. En fait, c'est un grand catch, c'est-à-dire qu'on a deux voiles, deux mâts. Alors cette fois-ci, le mât de devant est le plus grand, et un gréement simplifié. On a dit qu'il était meilleur marché à la construction, ce n'est pas tout à fait juste. Il arrive surtout pour remplacer des bateaux qui sont peut-être trop sophistiqués pour la fin de la pêche. Et comme après la guerre 14, quasiment, il n'y a plus que des Dundee, le Dundee reste un bateau emblématique de l'Islande. À bord, il y avait peu de confort, peu de place et pas de lieu consacré à l'hygiène. Les couchettes sont des couchettes qui sont à l'avant. Alors il y a une double organisation de couchage. L'équipage est dans l'avant, dans le poste avant du bateau, avec des couchettes qui sont contre les flancs, qui doivent suinter l'eau de façon périodique. Ils se couchent sur des paillasses carrément innommables. Il y a un poêle qui chauffe tout ça. Les principaux d'équipage, c'est-à-dire le capitaine, le second et quelquefois les lieutenants, étaient logés, eux, à l'arrière, dans un autre poste, qui avait un peu plus de confort. Mais pas vraiment. Et dans certains cas, le mousse était avec le capitaine et les principaux d'équipage.
trekken en sleuren ons hier kapot. En dat was zo wij niet en begot. Doe jongen, doe. Pour résister à l'humidité et au froid, les marins étaient chaudement vêtus. Ils mettaient des caleçons longs en flanelle et superposaient plusieurs tricots. Au-dessus, les cirés recouvraient le tout. Le matelot était propriétaire de ses vêtements. Ce qui coûtait le plus cher, c'était les bottes en cuir que chacun se faisait faire sur mesure chez le cordonnier. Il changeait de vêtements peut-être deux fois dans la saison. Quand ils descendaient à terre en baie, ils allaient laver, ceux qui le souhaitaient, allaient laver leurs vêtements. Mais plusieurs exemples où, quand ils arrivent devant Dunkerque, ils mettent leur dernier rechange, et ce qui est le plus sale, ils le jettent parce que c'est vraiment innommable. Beaucoup d'entre eux, quand un vêtement est trop sale, un sous-vêtement est trop sale, ils le retournent et le mettent de l'autre côté. Inutile de vous parler de l'odeur qui régnait dans les postes. Arrivé au sud de l'Islande, le lieu de reproduction de la morue, la pêche commençait. À Islande, on pêchait le long du bord, on ne pêchait pas dans un doris, on pêchait à partir du bateau. On alignait les hommes le long du bord et chacun des hommes avait une ligne en main et pêchait lorsqu'on arrivait sur le banc. Cette ligne avait deux hameçons et un poids pour la tenir. Le mouvement que faisaient les marins était toujours de bas en haut ou de haut en bas, par où on part, et ça pouvait durer des heures parce qu'il fallait attirer la morue sur les appâts. Dès qu'on a trouvé la morue, on travaille sans arrêt. Alors, on travaille sans arrêt si le temps le permet. Et si les morues sur lesquelles, le banc sur lequel on est tombé, donnent des morues de taille suffisante, car le petit poisson n'est encore une fois pas payé comme le grand poisson. Il faut donc tomber sur des morues de bonne taille et les traiter. Alors, lorsqu'un pêcheur relève sa ligne et a une ou deux morues, il va couper la langue et jeter la morue dans un bac qui est derrière lui et qui est installé, un bac provisoire qui est installé sur le pont de la Goélette. Lorsque le capitaine estime qu'on en a suffisamment pris de morue, il va arrêter la pêche ou du moins retirer des pêcheurs de l'action de pêche, et on va commencer à traiter, à parer la morue. Alors parer la morue, c'est faire d'un poisson rond un poisson plat, et avec le moins possible de sang. Donc il y a des spécialistes, hein, il y a les ébrayeurs, il y a les trancheurs, etc. Tout expliqué par le menu serait peut-être un peu long, mais chacun de ces spécialistes intervient, et à la fin, la morue n'a plus de tête d'abord, elle est devenue complètement plate, et on va pouvoir la mettre en tonne. Alors la mettre en tonne, on la met en tonne d'une certaine façon, et là où le saleur intervient, on la met en tonne, donc en rond, pour ça qu'on a fait un poisson plat, on va donc la mettre en tonne à plat, une couche de sel, une couche de morue, une couche de sel, une couche de morue. Et on va mettre 5 cm de plus de morue au-dessus de la tonne. Dessus, on va mettre un prélard pour la protéger de l'eau. Et on va attendre 2-3 jours. La morue va se tasser. Hein. On va les ressortir. On va les relaver. Et on va les remettre en tonne une deuxième fois avec du sel. Donc il y a un travail énorme qui est fait au-delà de la pêche elle-même pour ce poisson qui est un poisson de qualité, ce qu'on appelle la morue paquet, puisque au retour, on aura la même opération. Ce sont nos femmes qui nous manquent surtout. Poussez les gars, poussez. Et
Fin mai, la morue commence à migrer et les marins vont en profiter pour choisir un autre terrain de pêche. Mais ils vont d'abord faire une escale dans les fjords islandais. Les Bretons vont aller plutôt dans les baies de l'Ouest, alors que Dunkerquois et Gravelinois vont préférer les baies de l'Est, comme celle de Fáskrúðsfjörður. Við vitum að það voru að Fáskrúðsfjörður var aðal bækistöð frakka á Austurlandi. On ne sait pas très bien pourquoi les pêcheurs français ont choisi la baie de Fáskrúðsfjörður. Og hverri skútu voru svona 18 til 24 kallar. Og í raun vitum við ekki hvers vegna Fáskrúðsfjörður. C'est peut-être parce que le fjord n'est pas trop long. Il n'est pas étroit et la mer y est calme. En við gerum okkur í hugarlund að fjörðurinn afskaplega lygg og eflaust hafa fengið mjög góða þjónustu. Nous pensons aussi que les marins avaient de bons rapports avec les habitants de Fáskrúðsfjörður qui les ont aidés et qui les ont bien reçus. Svo fara þeir að grafa hér í þessum grafreit og það byggður spítali og þetta hefur allt áhrif. Entre 1850 et 1914, il y eut certaines saisons plus de 200 goélettes et 5000 marins français qui firent escale dans ce fjord. Néanmoins, les rapports entre les marins et la population locale restaient limités. Les Islandais reçoivent assez favorablement ces bateaux qui viennent, dans la mesure où il n'y a aucune querelle, on ne connaît pas de querelle importante entre la population et les Islandais, entre les marins. Il y a quelques querelles, mais ce sont des querelles, encore une fois, d'hommes avinés entre eux et non pas vis-à-vis des autres. Quelques petits vols, ça existe, qui sont réprimés de toutes les manières par le stationnaire, mais en fait, la cohabitation est très très sereine et les Islandais aiment beaucoup voir arriver les marins, pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme c'est un pays de prohibition, les marins descendent à terre avec de l'alcool et proposent aux Islandais de leur en vendre, entre guillemets, puisque, évidemment, la monnaie n'est pas possible. Donc, ils achètent des pulls, ils achètent des moufles, ils achètent des tricots que les Islandais, les hommes et femmes, ont tricotés pendant tout l'hiver pour le proposer aux marins. Ils venaient avec le vin rouge et aussi, ils avaient ramassé l'eau de vie qu'on les donnait chaque jour, un peu. Et ça, c'était. Les Islandais n'avaient rien comme ça. Et ils faisaient cette expérience. Les Islandais avaient tout hiver, se préparaient avec de la laine, parce qu'ils avaient les mains. Tout abîmé et manquait la laine et le chausson pour ne pas sceller et tout ça. Mais les Islandais voulaient avoir de l'eau de vie qu'ils appelaient cognac parce que ça venait de France. Les biscuits secs, aussi appelés biscuits de mer, étaient très appréciés des petits Islandais. Donc ils descendent à terre avec du biscuit de marin bien sûr, mais ils vont offrir ces biscuits aux enfants. Et le surnom des Islandais, souvent dans les fjords, il s'appelle biscuit, parce que les enfants vont évidemment courir après eux pour avoir les biscuits en question. Sko, þrátt fyrir allar þennan fjölda sem kom til Íslands af frönsku sjómönnum, chaque année, lorsque les Français arrivaient dans les fjords d'Islande pour quelques semaines, je ne sais pas pourquoi on a gardé quelques mots qui viennent du français comme biscuit. Beaucoup de gens utilisent encore ce mot, par exemple, puis-je avoir un café et un biscuit ? C'est très joli.
Les marins sympathisaient avec la population locale, mais pas au-delà. Il n'y a notamment pas de traces de mariage entre Français et Islandaises. Il y a eu une ou deux histoires, mais elles, entre les Islandais, entre des marins français et des Islandaises. Mais ça s'est passé, les deux que l'on connaît, où il y a eu un enfant, ça s'est passé lors de naufrages, où les marins ont été récupérés dans une ferme et où ils sont restés 3 ou 4 mois. Là, c'est noué une idylle entre l'un des marins et une des jeunes femmes de la ferme qui a donné lieu à une naissance. Mais c'est exceptionnel. Le reste, on l'oublie. Ce sont des fantasmes. Það kannski bara þorði ekki að segja frá ef pappi var franskur. Þannig að on ne pense pas que beaucoup d'enfants sont nés, mais une histoire à Fassrudfjordur dit que si vous avez les cheveux foncés, les yeux foncés et la peau mate, c'est que vous devez être issu d'un ancêtre français. Mais en fait, on n'en sait rien. Cette halte islandaise était aussi l'occasion de grandes fêtes qui permettaient aux marins de se retrouver et aux courriers d'être distribués. Chaque année à Fassrudfjordur, ces fêtes revivent avec la Franskirdagar, la fête des Français, qui a lieu maintenant à la fin juillet et non plus à la fin du mois de mai comme alors. Et við á Fáskursfjörði erum afar stolt af þessari sögu. Il y a à peu près 25 ans, on débutait des relations avec les villes françaises et particulièrement entre Gravelines et Fassrudfjordur, et nous sommes très heureux d'avoir ces villes amies en Islande. Bæ í Frakklandi sem heitir Gravelín. Og við förum á hverju ári til Gravelín og heimsækjum þau og þau koma hverju ári og heimsækja okkur. Durant la pêche, il n'était pas rare que les marins se blessent. Mauvaise mer, glissade sur le pont encombré de déchets de poissons ou abus d'alcool, autant de raisons de chuter. Un marin qui se cassait un membre devait attendre plusieurs jours sans soins avant de pouvoir être débarqué en Islande. C'est en 1897 que Dunkerquois et Gravelinois bâtirent à Fassrudfjordur une infirmerie puis une chapelle. En 1903, ils y construisirent un hôpital qui commença à fonctionner l'année suivante. On avait les docteurs islandais dans les hôpitaux et les infirmières étaient très éduquées de meilleurs hôpitaux en France pendant la saison. Et là, à Fáskursfjörður, on lui permettait de prendre les Islandais aussi. Et il n'y avait pas beaucoup très peu d'hôpitaux ici. Et ça c'était vraiment précieux pour eux. Il y a si longtemps que nous sommes loin de chez nous. Poussez les gars, poussez. Quand le nombre de goélettes diminua, l'hôpital ne resta ouvert que pendant les campagnes de pêche. Puis, les bateaux français se faisant de plus en plus rares, l'hôpital finit par cesser toute activité. En 1939, il fut transporté de l'autre côté du fjord où il servit d'école et d'immeuble d'habitation jusqu'en 1965 où il fut totalement laissé à l'abandon, en proie aux éléments. Il était, jusqu'en 2009, dans un état très critique lorsqu'un projet de réhabilitation permis de redonner une nouvelle vie à ces bâtiments. L'hôpital rénové est désormais transformé en hôtel. La maison du docteur a été reconstruite et transformée en musée. La petite chapelle et l'infirmerie ont été fidèlement restaurées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et sans oublier la morgue et le ponton. La ville de Gravelines a participé à ce projet de réhabilitation. Donc, le projet de réhabilitation des maisons françaises, donc l'hôpital, la maison du docteur, la petite chapelle, la morgue, la maison des malades, tout cela, ça fait partie de leur projet de développement, je vais dire, patrimonial, traditionnel et touristique. Hein. Eh bien, on a été sollicité, oui, pour
pour leur apporter de l'aide. Donc on a apporté de l'aide sur deux plans. Le musée a édité ce livre avec toute l'histoire de la pêche à Islande. L'association Les Marins de la Petite Chapelle ont envoyé beaucoup d'objets du temps de la pêche à Islande. Et puis la ville de Gravelines a participé financièrement à hauteur de 10 000 euros justement à cette restauration. Ce que nous aimerions, c'est que des Gravelinois puissent aller les voir, visiter ce musée, oui, c'est vrai. Ces bâtiments ont été inaugurés lors de la Franskirdagar le 26 juillet 2014, en présence d'Olafur Ragnar Grímsson, président de la République d'Islande, de Marc Bouteiller, ambassadeur de France en Islande, de Lionel Tardy, président du groupe d'amitié France-Islande à l'Assemblée nationale, et des élus de Gravelines et de Paimpol. J'espère que vous comprenez, en voyant toutes ces personnes rassemblées ici aujourd'hui, que cette histoire commune compte beaucoup pour Fascreuth-sur-Dure et dans nos cœurs. Je veux remercier tout le monde et je vous félicite pour ce projet magnifique. L'ouverture du musée et de l'hôtel, la réhabilitation des autres bâtiments, devrait permettre à de nombreux Français de venir découvrir cette histoire. Pál Björgvin Gudmundsson, le maire de Fascreuth-Fjordur, est très confiant. Oui, bien sûr. Les gens qui passent ici, les Français, commencent à parler avec les habitants dans le village. Et c'est peut-être par le bouche à oreille que ça va se développer en France. Et il est sûr que ça va augmenter le nombre de voyages et touristes français et aussi nos relations. La mer nous prend la peau, les gars. Donc les tapis, faut déraper. La mer nous prend la peau, les gars. On ne peut quitter Fascreuth-sur-Dure sans s'arrêter au cimetière français, où reposent 49 marins, dont deux Gravelinois, Pierre-Louis Frézier et Pierre-Joseph Coubel. Ces 49 croix, remises en place sous l'égide de Jean-Claude Agneret en 2009, ont une histoire. Elle a débuté en 2007 par un copain, M. Delassus, Philippe Delassus, qui est skipper du bateau de Gravelines. Alors l'histoire des croix, c'est grâce à ce monsieur, en 2007, qu'il est parti avec sa dame faire un voyage là-bas. Donc il est revenu, et puis un jour d'une assemblée générale, il m'a dit « Jean-Claude, voilà, je suis allé au cimetière, il n'y a plus de croix, c'est vide, c'est une peinture. » Il dit « Est-ce que vous ne pouvez pas rien faire pour faire des croix ?» Il dit « Pas de problème. » On a dit oui tout de suite. Et justement, les croix, c'est en bois, un bois iroko, normalement, ça dure 100 ans, c'est un bois qui ne pourrit pas. Alors le prototype, il est là. On les a fait peindre, on les a fait tailler, bien sûr, par la ville de Gravelines. On les a fait peindre chez un commerçant. Et on les a fait mettre les noms des marins dessus. Alors ceux qui n'avaient pas de nom, que je n'avais pas trouvé, on avait fait marquer « Repose en paix ». Mais tous, ils ont une croix. Et au mois de fin juillet 2009, le maire nous a invités à la Fascreuth-sur-Dure. Quand on est arrivé là-bas, les croix étaient plantées, sauf les deux croix de deux Gravelinois. Alors c'est moi et mon secrétaire qu'on était là-bas pour planter ces deux croix. Et vous croyez que ça a été très dur. Déjà, avant de faire tout ça, c'était dur. Mais là, c'était vraiment très dur. Et ça m'a fait plaisir, parce que c'est nos ancêtres. Quoi. J'ai un arrière-grand-père, mes deux grands-pères, ils ont fait l'Islande, ils ont fait les campagnes d'Islande. Donc au départ, c'était pas pour eux, hein, c'était le but. Bon ben, de ce fait-là, ils sont dans le lot. Voilà. Pour moi, ça m'a fait un gros bonheur. Et j'adore ça. Cet endroit nous rappelle qu'environ 4000 marins français
ont péri dans les tempêtes islandaises. Les pires campagnes furent celles de 1839 et 1888, au cours desquelles 185 et 163 marins périrent en mer. Nombreuses furent les femmes qui ne virent pas revenir un mari ou un frère, les mères qui perdirent un ou plusieurs fils. Il y a si longtemps que nous sommes loin de chez nous. Poussez les gars, poussez. Ce sont nos femmes qui nous manquent surtout. Poussez les gars, poussez. Pendant ces campagnes, les femmes de marins appelées matelotes devaient travailler pour nourrir leur famille, le salaire des pêcheurs n'étant pas suffisant. Elles étaient verrotières et creusaient le sable à marée basse pour en retirer des vers qui servaient ensuite d'appât pour la pêche. Et vous vous rappelez de ma belle-mère qui était verrotière ? Oui, je me rappelle très bien. Hein ? Une femme courageuse. Suivant les maris, ils partaient soit de leur maison, alors habitaient Petit-Fort, la gare de Gravelines, la gare de Dunkerque, à pied tout le long de la plage pour attraper le ver, tout dégoulinant. Ou alors l'inverse, elle partait toujours de la plage, la gare de Dunkerque, la gare de Gravelines, et retour à pied jusqu'à leur maison avec le panier bien rempli. Puis pas grand-chose à manger. La seule distraction qu'elles avaient, les femmes, c'était la tabatière, puis prisée. Elles réparaient aussi les filets sur le port, allaient à la pêche à la crevette en poussant lourdement leurs filets devant elles, ramassaient des coques, ou servait de main-d'œuvre dans les magasins de conditionnement et d'expédition du poisson. Souvent, je parlais avec ma grand-mère de choses ou d'autres, puisque j'étais élevée avec. Elle m'a élevée. De quoi je parlais, elle m'a appris notamment à cuire des crevettes, puisqu'elle allait les vendre sur les marchés. Elle faisait les marchés, elle faisait le poisson, elle vendait des légumes. Elle s'occupait de la famille, entre autres. Comme elle était femme de patron d'Islande, de pêcheur d'Islande, souvent il faisait des réceptions. Avant de partir en mer, il devait organiser leur travail. Il faisait des réceptions. Et chez ma grand-mère, il y avait une grande cafetière, beaucoup plus grande que celle-ci. Et donc, tout le monde venait boire le café, la tarte, le gâteau, ce qu'il y avait. C'est dans la petite chapelle de Notre-Dame-des-Flots que les mères, les épouses et les enfants des marins allaient prier quotidiennement, et plus particulièrement les jours de tempête. L'importance de la petite chapelle dans les livres des marins, c'est un lieu de culte au départ. Ils venaient se recueillir ici faire une messe avant de partir en Islande. Et quand ils partaient après, les femmes, les épouses, les enfants, ils revenaient ici, le jour du départ et tous les jours après de mauvais temps, pour prier, pour que la Vierge, elle ne prend pas les marins, parce qu'ils avaient des fils aussi, à bord, pour dire qu'ils revenaient à bon port. Quoi. Mais malheureusement, il y a des catastrophes autour partout, il y en a qui ne revenaient pas. Mais ils étaient tout le temps ici, les femmes, les épouses et les enfants, tout le temps, surtout les jours de mauvais temps. C'était primordial. Ils ne passaient peut-être pas une journée ou deux sans venir. Après l'escale de Fastrudfjordur, la pêche reprenait au large des côtes islandaises, les navires cherchant à croiser la route des morues en migration. Ce pouvait être l'occasion de pêches fructueuses. Il arrivait que certains équipages, qui avaient connu des pêches désastreuses en début de campagne,
parviennent à sauver celle-ci durant cette période. Fin août, après une dernière halte dans le fjord pour se ravitailler en eau, les navires prennent la route du retour. Les marins commencent à ranger le matériel et à nettoyer le bateau. Ils se lavent et se changent. À terre, parents, enfants et épouses commencent à scruter l'horizon avec impatience. Après 6 mois à trimer, les premiers arrivants donnent des nouvelles et annoncent les équipages qui approchent, mais aussi ceux qui ne reviendront pas. Alors lorsqu'elle rentre de la pêche en septembre, les goélettes sont parquées dans les différents bassins, que ce soit à Gravelines ou à Dunkerque, et vont rester, sauf certaines d'entre elles qui vont aller chercher du sel pour la pêche suivante au Portugal, mais la majorité d'entre elles vont rester au port, vont rester à quai, elles vont être désarmées bien sûr, on retire les voiles, on nettoie plus ou moins, et elles restent à quai jusqu'au mois de février, janvier-février. Pour célébrer le retour des marins, le hameau des Hudes va festoyer des jours durant. Aujourd'hui encore, les Gravelinois perpétuent chaque année cette tradition, le dernier week-end de septembre. Du début du 19e siècle à la fin des années 30, les marins gravelinois ont quitté leur famille pour aller pêcher la morue dans le froid des côtes islandaises. Nul métier ne peut être comparé par la dureté du travail à celui qu'on appelait islandais. Leur seul moment de repos, ils le trouvaient dans la baie de Fáskrúðsfjörður, qu'ils appelaient la baie des poupées. Et plus de 75 ans après, les liens entre Gravelines et Fáskrúðsfjörður restent très forts. À l'origine, donc il y a plus de 20 ans, c'est monsieur le maire de l'époque, le maire de Gravelines, monsieur Albert d'Anvers, qui avait eu connaissance de ce cimetière qui existait là-bas, où des marins gravelinois étaient enterrés, parmi d'autres Français. Et puis donc il avait eu le contact avec le petit village de Fáskrúðsfjörður. Et puis un peu à la fois, les liens s'étaient noués jusqu'à la signature officielle du jumelage. Il y a évidemment, comme dans tous les jumelages, ces échanges protocolaires, les élus avec les élus ou les institutions, des corps constitués. Mais notre grosse volonté, notre gros travail en ce moment, c'est justement de faire participer davantage la population à ces échanges. Alors on a réussi cette année à envoyer des jeunes. Il y avait déjà eu des groupes de jeunes dans les années 90 qui étaient partis là-bas passer 15 jours et on avait reçu des jeunes Islandais. D'ailleurs, dans le groupe d'élus cette année qui est venu de Fáskrúðsfjörður, il y avait une jeune fille qui était venue quand elle avait 15 ans dans une famille gravelinoise. On parle de la tradition, mais c'est surtout se tourner vers l'avenir, parce qu'il ne suffit pas toujours de regarder le passé. Donc c'est l'objectif que l'on poursuit, se servir de cette tradition pour ouvrir vers le futur et ouvrir aussi l'horizon des jeunes gravelinois. Chaque année, Fáskrúðsfjörður célèbre les pêcheurs français le dernier week-end de juillet. Et chaque année,
Gravelines fêtent les Islandais le dernier week-end de septembre. Ces cérémonies entretiennent la mémoire de ces marins. Ces hommes courageux étaient respectés et leur vie, bien qu'extrêmement dure et dangereuse, pouvait parfois être enviée par ceux qui ne partaient pas. Ils laisseront à jamais dans nos mémoires l'image de marins d'exception. C'est pas son.